Only on 7, it's been 30 years since investigators found the body of an elderly woman dead, the fifth victim of her family to be murdered. It would be easily one of Marathon County's most bizarre cases and longest investigations. August 1988. Chris Jacobs is charged with 5 counts of murder more than 4 months after the body of 70-year-old Helen Coons is found in a swamp nearly 20 miles from her home. Just 9 months earlier, the bodies of her elderly siblings, Clarence Coons, 76, Irene, age 81, Marie, age 72, and Helen's 30-year-old son, Randy, are found dead in the home the family shared near Athens. As to count number 5, not guilty of murder in the first degree of Helen. Yes. Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolues ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Aujourd'hui, notre récit nous transporte à Berne, une charmante ville située au cœur du Wisconsin, faisant partie de la région métropolitaine de Wausau. Berne est une ville paisible, avec une densité de population de 16 personnes par mile carré et de vastes propriétés s'étendant sur plusieurs acres, offrant à de nombreuses familles un sentiment de luxe et d'espace. Avec une abondance de parcs nationaux et de terrains de golf, Berne est un havre de tranquillité pour ceux qui cherchent à fonder une famille. Au cœur de cette communauté se trouve la famille Coons. Composée de Helen, âgée de 70 ans, de ses fils Kenneth, 55 ans, et Randy, 30 ans, ainsi que des frères et sœurs de Helen, Clarence, 78 ans, Irène, 80 ans, et Marie, 72 ans. Cette famille est connue pour son unité exceptionnelle, à tel point que certains la considèrent comme étant trop proche. Leur demeure est une maison grise délabrée, nichée sur un terrain de 108 acres à 6 miles du centre-ville de Berne. Ceux qui ont eu l'occasion de visiter la maison et la ferme de la famille la décrivent comme encombrée et jonchée d'objets. Sans plomberie intérieure, la famille dépend d'un poêle à bois pour cuisiner et se chauffer. Tous les membres de la famille, à l'exception de Kenneth, vivent dans la maison. Préférant un peu d'intimité, Kenneth a choisi de vivre dans une caravane à côté de la maison. Malgré l'apparence délabrée de leur demeure, les Coons sont plutôt aisés, ayant réussi à accumuler plus de 20 000 dollars en espèces dans la maison. Les Coons sont considérés comme un peu étranges par certains. Ils règlent toujours leurs factures en espèces et préfèrent rester entre eux. Ils portent principalement des vêtements de seconde main, passés d'un membre de la famille à l'autre, et semblent être extrêmement proches. Kenneth et Randy emmènent souvent leur mère Helen en ville pour faire les courses et payer les factures. Les Coons sont perçus par les autres habitants de la ville comme une famille d'étrangers. Certains résidents ont adopté une approche plus bienveillante envers les Coons, mais la plupart les considèrent comme excentriques et bizarres. La famille Coons aurait pu rester dans l'anonymat si ce n'était pour une soirée particulière du 4 juillet. Ce jour-là, en 1987, Kenneth Coons avait passé sa journée à travailler dans une fromagerie avant de rejoindre des amis pour célébrer la fête nationale. Après avoir consommé quelques bières de trop, il se réveille le lendemain matin, le 5 juillet, dans sa caravane, la tête lourde. Se préparant pour la journée, Kenneth quitte sa caravane et se dirige vers la maison principale, s'attendant à être accueilli par sa mère et ses oncles et tantes. Cependant, il est confronté à une scène d'horreur qui le marquera à jamais. En ouvrant la porte d'entrée, Kenneth appelle sa mère, mais il n'y a pas de réponse. Il ferme la porte derrière lui et continue à l'appeler. Son cœur se fige lorsqu'il avance un peu plus dans l'entrée. Sa tante Marie gît sur le sol, immobile, dans une mare de sang. Elle a été abattue d'une balle de calibre 22, à la tête. Kenneth se déplace dans la maison dans un état de choc, espérant que tout cela n'est qu'un cauchemar. En arrivant à la cuisine, il découvre que son frère Randy a également été abattu et laissé dans une mare de sang. Il se précipite vers lui et tente de le réanimer, mais il est trop tard. Kenneth sait maintenant qu'il doit trouver le reste de sa famille et il commence à se déplacer prudemment de pièce en pièce. À ce stade, Kenneth ne sait pas si l'auteur du crime est toujours dans la maison et il craint de subir un sort similaire. En arrivant dans les chambres de Clarence et d'Irène, il découvre leurs corps. Eux aussi ont été abattus.
Clarence était dans son lit, tandis qu'Irène a été retrouvée affalée sur une chaise. Il est clair pour Kenneth qu'il s'agissait d'une attaque surprise et que sa famille n'avait pas eu le temps de réagir ou de fuir. Un sentiment de malaise envahit Kenneth alors qu'il descend les escaliers en courant et sort par la porte. Il court jusqu'à la maison du voisin le plus proche et frappe à la porte d'entrée. Lorsque quelqu'un ouvre enfin la porte, Kenneth essaie de demander à utiliser leur téléphone, mais les mots se bousculent dans sa bouche. La panique et la peur ont pris le contrôle de son corps, et l'adrénaline coule à flot dans ses veines. En un éclair, la tranquillité de la ferme des Coons est brisée par l'arrivée des voitures de patrouille du comté de Marathon, leurs gyrophares illuminant la modeste propriété. L'enquête sur le drame qui s'est déroulé ici est officiellement ouverte. Kenneth, le seul membre de la famille qui n'a pas été blessé, est la première personne que le bureau du shérif souhaite interroger. Il leur révèle que sa mère, Helen Coons, est introuvable. Dans les premières heures de l'enquête, aucun mobile n'est établi et toutes les pistes sont explorées. Des questions se posent. Helen aurait-elle pu tuer sa propre famille et épargner seulement son fils? Aurait-elle pu se suicider par la suite ou s'enfuir sous une nouvelle identité? Ces interrogations sont mises de côté alors que les enquêteurs s'efforcent de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là du 4 juillet. Étonnamment, n'était pas la première fois que la famille Coons avait connu une tragédie de ce genre. En décembre 1905, la grand-mère d'Helen, Mary Coons, a été retrouvée assassinée dans sa maison à Manitowoc, dans le Wisconsin. Wenzel Coons, le propre fils de Mary, avait été accusé de son meurtre. Wenzel avait tué sa mère pendant qu'elle était couchée dans son lit, la laissant être découverte par le reste de la famille. Pendant son procès, Wenzel a été reconnu comme étant fou et a été envoyé dans un établissement psychiatrique. Par coïncidence, son frère était également patient dans le même établissement. La famille Coons s'était considérablement réduite en 1906 et en 1914. Les membres restants de la famille ont déménagé dans le comté de Marathon pour commencer une nouvelle vie et se sont installés sur une ferme supposément abondante. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont réalisé qu'ils avaient été trompés. Les terres agricoles qu'on leur avait promises n'étaient qu'un désert de souches d'arbres et de déchets organiques. Malgré ces difficultés, les Coons ont réussi à se faire un nom à travers Berne et le comté de Marathon. La maison des Coons, minutieusement fouillée par les enquêteurs, révèle un mode de vie étonnant. Malgré un revenu solide provenant de leur ferme et plus de 20 000 dollars en espèces trouvées cachées dans la maison, la famille vivait dans des conditions déplorables. La maison est remplie de déchets et de débris, sans aucune commodité moderne comme la plomberie ou une cuisine convenable. Pourtant, ils possèdent une télévision et un lecteur vidéo. Il est clair pour les enquêteurs que l'auteur du crime n'était pas au courant de la somme d'argent substantielle cachée dans la maison. À titre d'information, 20 000 dollars à l'époque équivaudrait aujourd'hui à plus de 52 000 dollars. Pendant ce temps, une rumeur se répand dans la ville, ostracisant encore plus la famille Coons. Gail Weiler, le propriétaire d'une quincaillerie locale, avoue aux enquêteurs du comté de Marathon que dans les semaines précédant la fusillade, Helen était entrée dans le magasin et avait acheté des balles de calibre 22. Helen avait prétendu que les munitions étaient utilisées par ses fils, Randy et Kenneth, pour chasser les oiseaux sur leur vaste propriété. Cependant, ce n'était pas l'information la plus intrigante qu'elle avait partagée. Gail Weiler a révélé aux enquêteurs qu'Helen s'était plainte que sa famille regardait ensemble des films obscènes sur leur lecteur vidéo. Cette affirmation a été confirmée par la découverte d'une collection de matériel obscène dans la maison des Coons. De manière troublante, ce n'était pas la première fois que des rumeurs de comportements sexuels déviants et d'inceste circulaient autour de la famille. Les enquêteurs du comté de Marathon ont découvert un dossier datant des années 1930 dans lequel un voisin de 40 ans avait été accusé d'avoir agressé et mis enceinte Helen, alors âgée de 15 ans, et avait été reconnu coupable par le tribunal. De plus, Kenneth croyait que son père biologique était le frère d'Helen, Clarence Coons. La véracité de ces affirmations est incertaine, mais la famille, en particulier la mère d'Helen, a toujours nié cela. Avec les rumeurs qui se propageaient, d'autres ragots ont émergé au fil des années. Les habitants de Berne pensaient que Helen et son fils Randy partageaient le lit la nuit, alimentant davantage les rumeurs d'inceste chez les Coons. Il a également été rapporté que Clarence, Marie et Irène, qui étaient tous frères et sœurs, dormaient ensemble dans le salon. Les rumeurs d'inceste ont persisté pendant des générations, et maintenant, les habitants de la ville se demandaient si ces relations avaient atteint un point de non-retour.
Malgré les rumeurs troublantes et dérangeantes qui circulaient à propos de la famille Cones, les habitants de Berne ont soutenu Kenneth. Ils ont ressenti la douleur du massacre et se sont rassemblés après la disparition d'Hélène. Des t-shirts, des boutons et des affiches portant l'inscription « Où est Hélène ?» ont été créés. Et des appels à l'information ont été lancés. Les enquêteurs savaient que Hélène avait été vue pour la dernière fois lors d'un feu d'artifice à Athens, dans le Wisconsin, le 4 juillet 1987, un jour avant les meurtres. Kenneth, qui avait été au travail puis au bar, n'a pas pu fournir d'informations sur la disparition de sa mère. Alors que l'été se transformait en automne, les pensées de la famille Kunz s'éloignaient de l'esprit des gens et la ville de Berne retrouvait sa normalité. Pendant ce temps, les enquêteurs ont continué leurs recherches pour trouver Hélène et la personne responsable de l'anéantissement de presque toute sa famille. En janvier 1988, l'affaire a pris un tournant inattendu. Les enquêteurs ont découvert de nouvelles preuves qui ont mis en lumière un suspect, Christopher Jacobs III, un jeune homme de 22 ans d'Athens, dans le Wisconsin, non loin de Berne. Il s'est avéré que peu de temps avant les meurtres, Christopher avait acheté une voiture à la famille Kunz. Intrigués par cette interaction avec la famille, les enquêteurs ont commencé à creuser plus profondément. En fouillant sa propriété à Medford, ils ont trouvé une voiture, deux fusils de calibre 22, des munitions de calibre 22, des douilles usagées et des coupures de journaux sur les meurtres des Kunz. Après un examen médico-légal du véhicule trouvé sur la propriété de Christopher, il a été supposé qu'il avait créé les traces de pneus qui avaient été laissées sur la scène du crime des Kunz. La police avait pris des empreintes de pneus et d'empreintes de pas dans la zone autour de la résidence des Kunz, dans leur jardin situé à environ un quart de mile de la maison. Les enquêteurs ont examiné la voiture de Christopher Jacobs pour voir si ces pneus auraient pu laisser les traces trouvées dans le jardin des Kunz. Christopher a été arrêté en janvier 1988 et a été libéré sans inculpation quelques jours plus tard. En avril 1988, 9 mois après le massacre, le corps d'Hélène a été découvert dans un marais du comté de Taylor, dans le Wisconsin. Comme le reste de sa famille, elle avait été abattue d'une balle de calibre 22 dans la tête. Après la découverte du corps d'Hélène, une autopsie a été pratiquée, mais aucune preuve supplémentaire découverte n'a jamais été divulguée. Only on 7, it's been 30 years since investigators found the body of an elderly woman dead, the fifth victim of her family to be murdered. It would be easily one of Marathon County's most bizarre cases and longest investigations. En août 1988, le bureau du shérif du comté de Marathon a de nouveau frappé à la porte de Christopher. Il a été arrêté une seconde fois et inculpé de 5 chefs de complicité de meurtre. Son arrestation a marqué le début de l'une des enquêtes les plus longues du comté de Marathon. Tout au long du processus, Christopher a maintenu son innocence. Son équipe de défense, consciente que les preuves contre lui étaient circonstancielles, a passé des mois à préparer sa défense. August 1988. Chris Jacobs is charged with 5 counts of murder more than 4 months after the body of 70-year-old Helen Kunz is found in a swamp nearly 20 miles from her home. Just 9 months earlier, the bodies of her elderly siblings, Clarence Kunz, 76, Irene, age 81, Marie, age 72, and Helen's 30-year-old son, Randy, are found dead in the home the family shared near Athens. En octobre 1989, le procès a commencé. Crocker Stephenson, un reporter pour le Milwaukee Journal, avait suivi de près l'affaire et avait veillé à se procurer une place au premier rang lors des audiences. Il a rappelé plus tard qu'ils avaient mis un costume à Christopher et lui avait coupé les cheveux, mais qu'il était un voyou. Pendant des semaines, des preuves ont été présentées. Des témoins et des experts ont été contre-interrogés et l'enquête a été examinée de près. Une vidéo détaillée de la scène du crime a été montrée au jury. La plupart d'entre eux l'ont trouvée insupportable et insoutenable. Des empreintes de pneus de la voiture de Christopher et de la scène du crime ont été montrées au jury, ainsi que des témoignages indiquant qu'il avait été l'une des seules personnes à avoir interagi avec la famille. La famille Kunz restante et leurs partisans ont retenu leur souffle lorsque le jury a rendu son verdict. Christopher était confronté à une longue peine pour le meurtre de presque toute une famille. Mais, dans un revirement choquant, après seulement 10 heures de délibération, le jury l'a déclaré non coupable de toutes les accusations. La salle d'audience a immédiatement été remplie de cris et de hurlements. Christopher a poussé un soupir de soulagement. Il était enfin libre.
as to count number five, not guilty of murder in the first degree of penalty. Christopher a été libéré après le verdict du 28 octobre 1989, mais sa liberté ne durerait pas longtemps. En 1993, le délai de prescription était sur le point d'expirer, quand Stacy Wace, son ex-petite amie, s'est présentée au bureau du shérif du comté de Marathon et a demandé à parler spécifiquement au lieutenant Randall Hunish. Stacy a raconté au lieutenant que, lorsqu'elle sortait avec Christopher en 1991, il avait avoué avoir tué la famille Coons. Quand elle lui a demandé pourquoi il avait fait cela, Christopher a répondu qu'il voulait prouver qu'il était un homme. Selon Stacy, Christopher est arrivé à la maison des Coons le soir du 4 juillet 1987 où Randy Coons l'a accueilli. Christopher et Randy avaient noué une bonne relation après que Christopher ait acheté une voiture à Randy et Randy l'a accueilli chaleureusement chez lui. Selon Stacy, une dispute a rapidement éclaté entre les deux, au cours de laquelle Christopher a sorti un pistolet de calibre 22 et a tiré sur Randy. Christopher a ensuite parcouru la maison, éliminant le reste de la famille en leur tirant une balle dans la tête à bout portant. Pour des raisons inconnues, Christopher a décidé de ligoter Hélène et de l'emmener dans un marais où il lui a tiré dessus. Suite à la confession de Stacy, le bureau du shérif du comté de Marathon a arrêté Christopher une nouvelle fois, cette fois-ci accusé de l'enlèvement et du meurtre d'Hélène Coons. Il a fallu 5 ans pour que Christopher soit jugé. Le 8 juin 1998, Christopher comparaît à nouveau devant le tribunal, attendant son sort pour la deuxième fois. Malheureusement, la chance de Christopher avait tourné et après seulement 4 heures de délibération, il a été reconnu coupable de l'enlèvement et de la séquestration d'Hélène Coons. Christopher Jacobs III a été condamné à purger 31 ans de prison avec une date de libération conditionnelle fixée pour février 2020. Le 4 février 2020, Christopher, alors âgé de 53 ans, a été libéré de l'institution correctionnelle de Columbia après avoir obtenu une libération conditionnelle. Étrangement, le 5 février 2020, il s'était retrouvé de nouveau en détention de son propre gré, disant aux officiers qu'il n'avait aucun intérêt pour la libération conditionnelle et qu'il préférerait purger le reste de sa peine à l'institution correctionnelle de Columbia. Cependant, il a toujours affirmé aux médias qu'il était innocent et que la police avait contraint son ancienne petite amie Stacy à mentir à propos de sa prétendue confession. Beaucoup à Berne ne croient pas que Christopher a tué la famille Coons. La théorie dominante est que quelqu'un au sein de la famille a commis le crime. Cependant, comme tous sauf un d'entre eux sont maintenant décédés, il est peu probable que nous découvrions jamais la vérité. Et ainsi, mes chers amis, nous arrivons au terme de notre histoire. Quelle est votre opinion sur cette affaire? Pensez-vous que Christopher est coupable ou que le véritable auteur se cache ailleurs? Je vous invite à partager vos réflexions en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à la chaîne. Merci infiniment et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle affaire. Au revoir et à la prochaine.